Salut à tous, c'est Doumé du Team Synthèse France. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer la réalisation d'un montage sur nœud de bit. Pour tout ça, il vous faut une bobine de fil en 50 centièmes, une pochette d'émerillon en numéro 14. On peut utiliser du numéro 12 ou du numéro 10. Moi j'utilise du numéro 14. Des micro-perles en numéro 2, que ça soit jaune ou rouge, une aiguille et une belle paire de ciseaux. Alors, mon corps de ligne de 2 mètres. Pour commencer le premier nœud de 8, je fais une boucle que je tourne. Je mets mon index et mon pouce à l'intérieur et je vais récupérer l'excédent de fil qui est à ma droite. Et je vais tirer. Vous pouvez voir que nous avons bien le nœud de 8. Avant de serrer, bien humidifier et vous faites venir tout doucement. Quand vous avez vraiment le nœud de 8 qui apparaît là, comme vous pouvez le voir, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai une photo avant. Là, je prends et je le tends. Mon corps de ligne n'a pas bougé et il reste droit. Dans tout ça, maintenant, je prends une micro-perle, un émerillon, une autre micro-perle et je réalise la même chose de l'autre côté. Donc ma boucle, je tourne, je fais venir mon excédent qui est à ma droite de fil, et là, vous pouvez voir, on a un nœud de 8. Alors vous allez me dire, si on tire comme ça, on va avoir un écart de 3 à 4 cm. Alors pour éviter cet écart-là, je récupère une aiguille que je mets dans la boucle qui passe au-dessus de mon fil. Je rentre mon aiguille, j'approche ma boucle de la perle et je tire mon excédent. Là, vous voyez bien que j'ai mon nœud et mon aiguille. Donc là, je retire mon aiguille, j'humidifie l'autre partie. Et je tends. Donc on a bien un écart de 1 à 2 cm. Et comme je vous le disais avant, mon corps de ligne reste droit. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a apporté les éléments qui vous manquaient pour la réalisation de vos montages. Et je reste à votre disposition sur la page Sunset. Si vous avez d'autres commentaires à proposer. À bientôt!